pas qui c'est le mid challenger en face. Et je sais pas qui est mon jungle non plus. Mais c'est du Chal. Chal GM. Solius Nicolo, ok. Ouais, je suis avec des randoms, ils ont 5 joueurs pour eux, nice. La start au E. Bon. C'est un golemon, hein. Il perd le push. Il me laisse le push level 1 à Svelkos dans Way. Alors que c'est le seul moment où il peut gagner le match-up. Oh, spam son truc. Ça va, il est pas trop en manque d'attention, mais ça fait plaisir. Top et à deux doigts de se faire dive, il a plus de timoneur. Vous pensez qu'il va arrêter un moment d'être le cringeur qu'il pense être ou pas? Parce que legit, bah, à part perdre la lane, c'est... Contourne les wards. Il a flash. Il meurt aussi. C'est ok de tir. Du coup. The darkness of the void.
Il est tellement fed. What secrets are you hiding? Sylvestre-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas. Human melting point remains inconsistent. C'est bon, il a fini. Elle meurt aussi, non? Non. Il a des bottes en deux, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment gagner là. Faut que je baise. Tant pis pour la wave et la plate. Je peux ghost back to lane pour pas perdre trop en vrai. Thank you.
with information. C'est Ward, je pense, d'ailleurs. Elle fait quoi? On a plus de tourelle bot, nice. Prennent 20 CS. Elle est morte. Elle est pas morte. Pourquoi il fire, meurt à ma place, frère. Et Nicolo joue bien, mais... trop con, genre. On perd un 4v3, ils sont trop gays. On perd un 4v3, j'ai tué le mid d'en face, j'ai forcé le R, le flash de l'ADC en face, ils se sont fait voler le Drake. Legit, j'ai... toutes les games, c'est la même chose, j'ai l'impression de jouer avec des elo boosted, legit. Et je t'ai dit, j'aurais préféré avoir Nicolo dans ma team. Hein. J'aurais préféré avoir Nicolo dans ma team. Je sais pas ce qu'il fait. Il a pas de minimap. On va perdre, je pense. Nicolo va me perdre même focus et on va perdre. Voilà. Il a TP.
To date, none have survived the entire testing. Tu es shift pour la thermide. Il doit mourir, hein. Il est out. Elle a bien joué avec le fog, my bad. En, toi, en soi, il a aucune raison de base. Hein. Le Skarner lui a rien fait du tout. Donc, il m'a juste pris ma wave et empêché de. Ah, bref. Parce que s'il avait pas pris cette wave, j'aurais jamais joué le nouveau bot. J'ai pas de summoner et il a un stuff pour one tap. Donc. Mes sims. C'est étonnant quand même qu'ils arrivent à gagner ça. Le Skarner AFK dans le buff, on sait pas pourquoi. Encore trine derrière, ils sont morts. J'apprécie le peel en tout cas. J'apprécie le peel. Surtout pour littéralement tous mourir de l'autre côté, hein, c'est un plaisir. On ne va pas gagner. Hein. Ça sent comme j'ai dit, ils vont juste me focus dans les fights et on va perdre. Je truste pas la veine. Je truste pas la veine. Ils perdent tous. Donc ils vont pas se mettre à bien jouer à League of Legends pendant la partie. Et il en face en 7-4. Nice. On n'a pas les Drake, on a plus de tourette sur la map. C'est un plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette... Il est mort. Ah ça, le Skarner a raté son ulti et... Ah, well. J'aimerais bien qu'on go next en vrai. Pourquoi il me spamping?
Enfin, juste friendly reminder que le jungle a joué toute la game sur ta lane et que tu n'as aucun impact comparé au mec en face. Genre, le Skarner est top toute la partie. Oui, sert à quelque chose. T'as un level de retard, tu ne sers à rien dans les teamfights. Ça fait 5 minutes qu'il me court après. Pourquoi il me peut spamping, genre? Creature's mewling increases during dissection. Ok. Je suis en train de trap, de toute façon, ils ont que ça à faire. Bon joueur. My presence causes them distress. C'est qu'il est là, hein? C'est toujours un plaisir. Et je pense que le mid en face c'est Faker en vrai. Surtout quand je le solo kill level 4 après avoir pris 5 ganks de Gragas et 5 passages de Sona. Ils sont à soul point. Avec mon top laner qui s'est fait camp toute la game, qui n'a aucun impact et ne sert à rien dans la partie. Et mon jungle qui campe le top comme un golemon et... Spamping le Nexus tous les deux, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et colle-toi bien à moi avec l'ult, on sait jamais, je pourrais peut-être survivre. Prends une petite Gragas, tu meurs, je pense. Il est là, non, Nicolo?
Oh, mais il est mort. Lui, il meurt aussi. Merci. Je suis solo win la game. Ravi de mettre mute en tout cas pour plus voir les pings et les trucs de ces golemons. Si j'arrive à T2 là, ça serait vraiment huge. Mais quelqu'un va venir là, je pense. C'est Nicolo qui va venir. Le base. C'est fou d'autant se faire chier à la gueule par les mecs en face et les mecs de mon équipe et de quand même être la raison pour laquelle on va probablement gagner cette game. Mais bon, c'est pas fait hein. C'est pas fait. Ils sont à soul point, s'ils ont soul extec, la game est vraiment FF1. Connais un qui aime ton concombre? Bon non, pas vraiment, juste il a toutes les... Il est... Tu veux qu'il fasse quoi d'autre avec son gragas sur ça? Bon, suicide. Bon, je suis en train d'arriver, hein. T'es pas obligé de run down comme un golemon. Ping encore un peu le Nexus, peut-être, on sait jamais. Ah ouais. Solide mid aussi. Putain, j'ai l'impression de jouer vraiment avec des bons joueurs, ça fait plaisir. Ils peuvent avoir pris les portails et être sur moi. Ils sont top. Mais tu vois, on a créé du mouvement là, c'est bien. On peut aller au bot là, ils sont top. Hein. Il y en a 3 ou 2 au top. En train de check les bush pour essayer de me kill. Et du coup, on a la position et on va jouer le Drake. Voilà, ils étaient deux top. Il y avait Gragas et Wei. Il faut ward le pit avec la pink. Et aller bot. Il manque une ward pour vraiment jouer là. Ouais. On va peut-être gagner la game du coup. Nevermind, je sais pas comment le TF est mort, je sais pas comment on a perdu le fight. Encore une fois, j'ai solo win le fight. Hein. Train d'amère sur moi, j'ai tué le Gragas. On a le Drake, on peut aller au Baron derrière parce qu'il y a 26 secondes sur lui. Je peux mourir là par contre. Ouais, j'aurais dû base plus loin, je savais que c'était Ward. En vrai, c'est peut-être même pas Ward et c'est potentiellement un mec qui est sur le stream, mais je pense pas. C'est un joueur pro, tchal, il a aucune raison de stream hack en vrai. Je pense que c'est Ward ici, et que la Ward me révèle, probablement. Après, je suis collé au mur, donc c'est un peu bizarre, mais je dois être vu par la Ward, là, I guess. Ils vont forcer Nash, faut juste que ma team meure pas. Thank you.
Bien joué. Bon, après, le mec run down. Ambitieux ce Going Gragas quand même, mon petit pote Nicolo. On a gagné. Go mid, pas enfin, go top, go top. Il va forcément prendre la wave au mid. End top non? Il veut le faire Nash? Ok. Je pense qu'il fallait. Je pense qu'il fallait end au top. Je pense pas qu'il puisse end par contre du coup. Inhib c'est sûr, mais je pense pas qu'il puisse end. Y'a pas de Drake, rien, c'est fine hein. Je suis pas sûr de moi sur la Banshee, mais je pense quand même que c'est le meilleur item cette game. Il y a deux AP, je peux encaisser le slow du Trindade. Je pense quand même que c'est le mieux. Et je pense que le last c'est Morello. Horizon est bien aussi. Elle est full stuff la Vayne. Il y a une wave là. Ah, le TF est pas débile, j'ai cru qu'il allait aller top. Tivig 59. Tu peux Banshee. Les dégâts que je mets.